Enfin, le PSG s'en est débarrassé de Neymar. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Neymar Junior. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot. Ici nous on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est faux, on est parti. Alors les gars, lorsque Neymar est arrivé au PSG en provenance du Barça en 2017. Oh là là. Qui n'a pas kiffé? Qui n'a pas aimé? Qui n'a pas aimé? Nasser le premier, le président du PSG. On a vu des beaux discours que non, on a pris le meilleur jeu du monde, etc., etc. Mais force est de constater que 6 ans après, c'est devenu un fardeau. Parce que le PSG, Neymar, était déjà en foi. Neymar était déjà une épine pour le PSG. Le PSG était obligé de s'en débarrasser. C'était obligé. Parce que Neymar avait un salaire. Oh non. Neymar, sportivement, il n'a jamais fait gagner la Ligue des Champions avec le PSG. Il n'a jamais vraiment porté le PSG dans les grands matchs en Ligue des Champions. Il a toujours été absent. Donc, ça me paraît logique de voir Neymar et le PSG s'est séparé dans les bons termes. Après, qui a demandé le départ en premier? Qui voulait partir en premier? Qui voulait se débarrasser en premier? On ne sait pas. La réalité est que Neymar va signer en Arabie Saoudite. Donc, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu es sûr de voir Neymar quitter le PSG? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sinon, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.